Au nom du Seigneur. Debout, soyons attentifs en silence. Adios, adios, adios.
Lecture du livre de l'Exode. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'introduire au lieu que j'ai préparé. Fais attention à lui et écoute sa voix. Ne lui sois pas rebelle, car il ne pardonnerait pas votre transgression, parce que mon nom est en lui. Mais si tu veux écouter sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je me ferai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange marchera devant toi et te conduira vers les Amoréens, les Hittites, les Périsites, les Cananéens, les Hivites, et les Jésubéens et les Jébuséens, et je les exterminerai. Bénissez le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénissez le Seigneur, tous ses anges, puissants de force, qui fait de sa parole. Bénissez le Seigneur, toutes ses armées, ses serviteurs qui fêtent ses volontés. Bénissez le Seigneur, tous ses anges, puissants de force, qui fêtent sa parole. Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres, en tout lieu de son empire, bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénissez le Seigneur, tous ses anges, puissants de force, qui fait de sa Lecture du livre des Actes des Apôtres. Vers ce temps-là, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit périr par le glaive Jacques, le frère de Jean. Voyant que la chose était agréable aux Juifs, il donna l'ordre d'arrêter également Pierre. C'était pendant les jours des azimes. L'ayant fait appréhender et mettre en prison, il le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune,
avec l'intention de l'amener devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église priait Dieu pour lui sans relâche. Or, alors qu'Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là, Pierre dormait entre deux soldats liés de deux chaînes, et des sentinelles montaient la garde devant la porte de la prison. Un ange du Seigneur y fit irruption, et une lumière resplendit dans le réduit. Frappant Pierre au côté, il le réveilla et dit, « Vite, debout !» Et les chaînes lui tombèrent des mains. Puis l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et chausse tes sandales, ce qu'il fit. » Il lui dit encore, « Passe ton manteau et suis-moi. » Une fois dehors, Pierre se mit à le suivre, mais sans se rendre compte de la réalité de ce qui se passait grâce à l'ange. Il pensait avoir une vision. Quand ils eurent franchi le premier poste de garde, puis le second, ils arrivèrent devant la porte de fer qui donne sur la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même pour eux. Ils sortirent et avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Alors Pierre, revenu à lui, se dit, « Maintenant, je me rends vraiment compte que le Seigneur m'a envoyé son ange et qu'il m'a tiré de la main d'Hérode et de tout ce qu'attendait le peuple juif. » Réflexion faite, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Il y avait là une assemblée assez nombreuse qui se tenait en prière. Il frappa à la porte du porche et une servante nommée Rodée s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Mais sous l'effet de la joie, elle n'ouvrit pas et courut à l'intérieur, annoncer que Pierre était devant le porche. « Tu es folle, lui dirent les autres. » Comme elle soutenait qu'il en était ainsi, eux de dire « C'est son ange ». Quant à Pierre, il ne cessait de frapper. Ils ouvrirent et, à sa vue, ils furent dans la stupeur. Mais lui, de la main, leur fit signe de faire silence et il leur raconta comment le Seigneur l'avait mené hors de la prison. « Faites-le savoir à Jacques et aux frères, dit-il. » Puis il sortit et partit pour un autre lieu. Seigneur Dieu de nos pères, tu es loué, exalté dans les siècles. Bénis.
Le saint nom de sa gloire est béni, il est loué, exalté dans les siècles. Bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur. Chantez-le, exaltez-le dans les siècles. Tu es béni dans le temple de ta sainte gloire, tu es loué, exalté dans les siècles. Tu es béni, toi qui sondes les abîmes et sièges sur les chérubins, tu es loué, exalté dans les siècles. Bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur, chantez-le, exaltez-le dans les siècles. Tu es béni sur le trône de gloire de ton royaume, tu es loué, exalté dans les siècles. Bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur, chantez-le, exaltez-le dans les siècles. Tu es béni au firmament du ciel, tu es loué, exalté dans les siècles. Son évangile d'une manière droite et digne. Debout, soyons attentifs en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps, Jésus dit, « Quiconque accueille un petit enfant à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes, et d'être englouti en pleine mer. Malheur au monde à cause des scandales, il est fatal, certes, qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive.
Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de péché, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou estropié que d'être jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Fête des saints anges gardiens, qui normalement était dimanche dernier. Pour faire un peu d'histoire, si on peut dire, les anges, la tradition nous dit que les anges sont les premières créatures que Dieu a fait. Et ces anges, eh bien, on va les retrouver, eh bien, dans toute la création, comme collaborant en fait à cette œuvre. Et c'est ainsi que, eh bien, dans tout ce qui vit, il y a ce monde angélique. Donc, si on part de la nature, donc il y a ce qu'on appelle les esprits de la nature, qui ne sont pas des fables pour les enfants, qui sont une réalité. Donc, il y a ces esprits de la nature qu'on va retrouver dans le monde minéral, dans le monde végétal, dans le monde animal, les esprits de l'air. Tous ces esprits, donc la tradition nous dit que ce petit peuple, ces esprits de la nature sont pour les anges ce que sont les animaux pour les humains. Donc, mais ils font partie de ce monde angélique. Et ensuite, donc, il y a tous les anges, et là on va s'intéresser tout particulièrement eh bien, à notre ange gardien, puisque comme toute créature, eh bien, nous avons un ange qui nous est associé. Donc la tradition nous dit aussi que cet ange... quand Dieu nous a créés, il nous a créés en présence de cet ange. Donc, on pourrait un peu dire qu'il est notre jumeau spirituel, quelque part. On dit même qu'on a dans notre personnalité, on a des liens très très étroits, une grande intimité avec lui. Alors, cet ange que nous ne voyons pas quand nous sommes sur terre, mais que nous verrons de l'autre côté, est très présent, très 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 présent. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on a tendance quand même, une fâcheuse tendance à oublier. On l'invoque de temps en temps quand on cherche une place de parking ou que quand on a perdu quelque chose. Mais c'est bien évident que son rôle ne se limite pas à cela. Alors il faut savoir que comme tous ceux qui sont de l'autre côté, qui nous aident, ils ne peuvent pas intervenir dans notre vie sans notre accord, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller contre notre libre arbitre. Donc ça veut dire que notre ange gardien va faire ce qu'il va pouvoir pour nous aider, tant qu'on ne s'intéressera pas vraiment à lui, tant qu'on ne s'ouvrira pas vraiment à lui, pour qu'il puisse vraiment intervenir directement dans notre existence.
Alors, c'est quelque chose qui, dans notre quotidien, j'allais dire que c'est un apprentissage qu'il faut faire, dans le sens où, je vous parlais de la place de parking tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience de la présence de notre ange à côté de nous et qu'on rentre en relation avec lui. Et cela, donc, ça peut être effectivement par la fameuse place de parking que l'on cherche. Monseigneur Maël, lui, il avait, quand encore il faisait la couture et qu'il n'avait pas une très bonne vue, eh bien, il demandait à son ange pour enfiler le fil dans son aiguille. Et un jour, d'ailleurs, je me suis encore dit « Ah, t'es pas chic, j'y arrive pas aujourd'hui. » Et puis, à ce moment-là, il y a un rayon de soleil qui éclaire l'aiguille qu'il tenait à l'envers. Je ne pas que je perce un trou de l'autre côté aussi. Et les anges, donc, on va les voir intervenir comme ça, très souvent dans la vie des saints, d'une manière peut-être plus concrète. Mais encore une fois, comme on l'a entendu tout à l'heure, mon ange marchera devant toi, c'est-à-dire que notre ange gardien, il est là justement pour nous guider. Souvent on le compare aussi au chien aveugle que nous sommes, l'aveugle. Pas le chien. Sauf que le chien, que notre ange gardien, il n'a pas le QI du ce brave toutou qui nous guide. Non, bien sûr, non, ça c'est sûr. Mais ça veut dire aussi qu'il est vraiment celui qui va nous aider, qui va prévenir les dangers qui peuvent être devant nous. Mais encore une fois, ça c'est dans la mesure où on va vraiment s'intéresser à lui. Et quand je dis s'intéresser à lui, ça veut dire que lui, il n'est pas là simplement pour nous dépanner quand on a besoin, il est là pour nous conduire vers Dieu. Il est là pour nous aider à faire que ce passage sur terre se fasse du mieux possible. Et il est là pour nous permettre en fait de nous consacrer totalement à Dieu. Vous savez, quand le Seigneur nous dit « N'entretenez aucun souci », eh bien, avec notre ange, c'est possible. Et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Moi, personnellement, je l'évoque très, très souvent. Et par exemple, quand quelqu'un me confie une intention de prière, je ne l'écris jamais. Et je prends un instant, je le dis à mon ange de s'occuper de ça. Et quand je suis dans la sacristie, devant le tiroir où il y a les diptyques, mais c'est fou, hein, parce que ploum, le prénom qui me revient, c'est superbe. C'est vraiment, c'est extraordinaire, parce que vraiment, on sent bien que c'est pas un effet de mémoire, hein, c'est vraiment quelqu'un qui intervient là directement. Donc c'est vraiment, c'est encore une fois, c'est quelqu'un qu'on a tendance à négliger, et c'est vraiment qu'il est vraiment essentiel dans notre vie spirituelle. Il est certainement celui qui nous connaît le mieux après, bien sûr, Dieu et la Vierge Marie. Mais c'est certainement celui qui est capable, justement, de nous guider, de nous rassurer. C'est vrai que, par exemple, quand on s'inquiète pour des choses, alors moi, le mien, je l'entends pas, hein, mais j'entends souvent, enfin, arrête de te faire des nœuds. Parce que ça, c'est ma spécialité. Mais c'est vraiment, et j'ai vraiment le sentiment d'être rassuré. C'est vraiment du concret, quoi. Et encore une fois, c'est vraiment, il attend. Tous nos anges sont au chômage, hein. Ils sont au chômage ou ils n'ont plus de cheveux. Mais à force de où ils ont des cheveux très blancs. Mais ils sont vraiment là pour nous aider. Ils sont vraiment là très présents. Padre Pio, dans la vie du Padre Pio, on en parle souvent, et il y a un épisode qui est assez comique, enfin comique peut-être pas trop pour celui qui était l'acteur de ce qui s'est passé, mais c'était un jeune séminariste qui était donc un fils spirituel du Padre Pio, et ce jeune séminariste plein de fougue, qui un jour Padre Pio, mais et ton ange, est-ce que tu t'en occupes? Non, je le vois pas, mon ange. Là, il s'est ramassé deux baffes, deux allers-retours de la main du Padre Pio, quand on pense que le Padre Pio était stigmatisé, hein. Donc celui qui a eu plus mal, c'est pas forcément celui qui a pris la baffe. Et il dit, mais il est à côté de toi là, tu ne vois pas, tu ne t'en occupes pas, et il dit qu'à ce moment-là, dans les reflets de lunettes, il a vu son ange qui était là. Et je crois qu'il s'en est souvenu un moment de cette réalité.
Donc ça veut dire que notre ange gardien est vraiment présent, très présent. Et c'est quelque chose, je lisais aussi un passage comme les anciens avaient encore cette fibre. Un prêtre comme ça qui arrive en pleine campagne, et puis il y a une brave dame qui est en train de travailler dans son jardin, et puis il dit bonjour Marie. Et puis la dame, elle, sans se relever, elle dit salut à la compagnie. Alors le curé dit je suis tout seul. Et alors, et votre ange, qu'est-ce que vous en faites? C'est le curé qui s'était fait remonter les bretelles parce qu'elle a oublié son ange. Donc voilà, c'est important, et c'est important que on les fête. Parce que, encore une fois, pour se rappeler qu'ils sont là, qu'ils sont vraiment présents. Et que vraiment, dans nos prières de tous les jours, eh bien, il faut que nous les invoquions. Leur demander, par exemple, quand on est assailli par des pensées, quand on a des tentations, de leur demander de l'aide. Ils sont là pour cela. C'est eux qui sont capables, justement, de combattre ces esprits mauvais qui rôdent autour de nous. C'est eux qui sont capables de le faire, mais encore une fois, ils le feront dans la mesure où on va leur demander. Sinon, on va apprendre à se débrouiller tout seul, quoi. Donc voilà, donc en ce jour, eh bien, prions-le, demandons-leur d'intercéder pour nous, et puis, ma foi, s'ils veulent nous révéler leur nom, c'est pas celui qui est dans les bouquins. Hein. Vous savez, il y a un bouquin avec tous les noms d'anges gardiens, hein, c'est pas celui-là. Je connaissais une petite dame qui était venue pendant un moment ici, qui était aveugle. Je sais pas si vous vous souvenez d'elle. Suzanne. Oui. Et qui... C'était une forme de prière. Hein. Et un jour, je lui avais parlé du prénom de son ange gardien. Et elle a entendu. Elle était ravie. Et donc voilà, c'est une grâce que le Seigneur lui a faite. Donc elle a vraiment entendu son ange lui donner son nom. Donc voilà, prions vraiment avec ferveur et puis... Demandons-lui eh bien, de veiller sur nous, de guider chacun de nos pas pour que, eh bien, que nous puissions ne pas quitter cette terre sans avoir accompli pleinement la volonté de Dieu. Tournés vers le Seigneur, levons-nous. Rendons-lui grâce et prions-le pour nous qui sommes réunis dans sa maison, qu'il daigne nous garder et nous protéger par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec lui et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Prions avec un esprit de pénitence. Supplions avec ferveur le Dieu de miséricorde pour qu'il nous ouvre le chemin de la conversion, qu'il pardonne toutes nos fautes car il sait de quoi nous sommes faits. Prions avec une ferveur redoublée afin de nous détourner du péché et de nous attacher au bien, que jamais nous ne chancelions. Que nous soyons jugés dignes de communier à ces dons sacrés et d'être convives de ces divins mystères, dignes de l'adoption et de la vie éternelle. Amen. Avec ferveur, disons tout. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Recevons
Dieu, secours des humbles qui absous les pénitents, toi qui dans le temple as entendu la prière du publicain, pardonne à ceux qui se lamentent de leurs fautes, sois indulgent vers ceux qui te supplient, comble ceux qui espèrent en toi, afin que ceux qui gémissent sur leurs péchés se réjouissent dans tes dons, par le Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Ce que nous croyons avec le cœur, que notre bouche le proclame. Je crois en le Seigneur, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Yeah.
Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Bien-aimés frères et sœurs, prions la miséricorde du Seigneur pour tous les fidèles de l'Orient à l'Occident, qui prient eux aussi pour nous d'une seule maison divers lieux, que la voix de nos supplications monte jusqu'à tes oreilles clémentes, ô Dieu, et qu'ainsi tu nous fasses miséricorde. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Mon Père, prions le Seigneur. Prions d'un seul esprit, Dieu le Père, auteur du salut du genre humain, pour qu'il maintienne inviolable l'unité de l'Église, afin que tout soit uni par le lien de la foi catholique et orthodoxe, et que tous les baptisés persévèrent dans cette même foi. Supplions notre Dieu pour notre primat, pour l'évêque Paul, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale Martin et Grégoire, pour tous les patriarches, pour tous les évêques et les autres ministres, afin qu'ils demeurent sans tâche dans l'accomplissement de leur office. Nous le supplions pour les autorités, pour la paix du peuple, lui la source de tout pouvoir, afin que nos gouvernants demeurent dans la concorde et conservent son peuple dans la joie, et qu'ainsi nous le servions au jour et nuit dans la paix. Pour l'union des époux et de la famille, pour les moines et les moniales offrant un célibat agréable à Dieu, afin que tous persévèrent toujours dans leur foi. Prions le Seigneur, auteur de toute bonne œuvre et dispensateur fidèle, pour ceux qui sont les ministres de la miséricorde, afin que tous les pauvres soient comblés et que cette générosité s'élève comme une offrande vers le ciel. Prions le Seigneur du salut de tous pour nos frères et nos sœurs infirmes et affligés de diverses maladies du corps et de l'âme, afin que par ses remèdes célestes, ils soient guéris par la puissance de son Verbe. Prions le Seigneur miséricordieux pour les victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, pour les orphelins, ceux qui sont privés de feu, de toit et de pain, ceux qu'afflige la solitude et le manque d'affection. Prions le Seigneur, Créateur de toutes choses, pour la sérénité des temps, les pluies bienfaisantes, des brises vivifiantes, pour l'alternance des diverses saisons, pour la salubrité de l'eau, de l'air et de la terre, et pour tous ceux qui œuvrent à la sauvegarde de la création. Sa compassion pour les persécutés, les exilés, les absents qui sont retenus contre leur volonté, les prisonniers, les voyageurs et ceux pour qui personne ne prie. Prions le Seigneur pour les catéchumènes et en particulier pour Ophélie, Maxime, Jacques, Basile, Sylvie, Etsie, Douda, Loïc, Virginie, Jérémie, Lisa, David, Alexandre, Kelly, Sarah, Julia, Kelly, Siuna, pour les pénitents, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore et résistent à sa grâce. Qui est
supplions Dieu Père éternel pour tous les défunts, afin qu'il leur accorde le repos et qu'ils participent à la résurrection. Seigneur, nous procure le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible. Accorde-le, Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Et Seigneur de toutes les forces célestes, entoure-nous de tes saints anges, et par l'intercession de la très sainte Mère de Dieu, en la fête des uns, de saints anges gardiens et de tous les saints, écoute favorablement nos prières et exauce depuis l'inaccessible gloire de ton trône saint ce peuple béni et racheté dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs et à tes servantes la joie d'une paix véritable. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Ici et maintenant, faisons tous la paix. Saluons-nous d'un saint baiser. Je vous donne ta paix. Thank you.
les bienfaiteurs et l'ensemble des frères et sœurs qui sont l'Église, et en particulier pour Caroline, Virginie, Josiane, Thomas, Madeleine, Monique, Anna, François, Janine, Raphaël, Hélène, Marie-Hélène, Isabelle, Charles, Virginie, Richard, Marie-Cécile, Cathy, Jean-Michel, Alain, Clotilde, Cormac, Louise, Théodosie, Chantal, Béatrice, Raphaël, Philippe, Roland, Martine, Eliane, Émilie, Sarah, André, Ania, Maurice, Monique, Geneviève, Daniela, Louison, Johanna, Steve, Wendy, Annie, Éléonore, Méron, Christophe, Francis, Aurélie, Siméon, Basile, Anne-Sophie, Jacques, Odile, Philippe, Eliette, Louis, Anne, Christian, Aurélie, Guess, Jean-Philippe, Antoine, Jean-Pierre, Annie, Benti, Marie, Taylor, Brian, Patricia, Christiane et Lula, afin que Dieu les aide et les garde dans une vie droite, et exauce leurs prières et supplications. Cette oblation est offerte aussi en communion et en mémoire de l'archange Saint-Michel et toutes les armées célestes, des patriarches, ancêtres et prophètes du précurseur Jean le Baptiste, des saints Joachim et Anne, de saint Joseph le Juste, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Disciples et évangélistes, des saints et saintes martyrs, Étienne, Ignace, Évode, Irénée, Blandine, Cyprien, Alban et Folan, de nos saints fondateurs, Joseph d'Arimathie et Aristobule, de nos vénérés pères et mères, Antoine, Ambroise, Geneviève, ô Patrick, Brigitte, Colomba, Colomban, Colman, Philibert, Hilda, Samson, François, Claire, Grégoire de Paroumala et Tugdual, des saints Maëlon, Clotilde de Californie et Nicolas de Feltham, des saints Denis de Paris, Dinertal de Clonmore, Éleuthère et Rustique de Paris, Démétrius d'Alexandrie, Publia d'Antioche, Savin de Lavedan, Gislain de Mont, Goswin d'Anchin, Gunther de Bavière, Sylvien de et Flavien de Lanvédan, Firmin de Villiers, Andronique et Anastasie et Athanasie de Jérusalem, Adalbéron d'Augsbourg, Juventin et Maxime, Pierre le Galate, Lambert et Bélair, Patriarche, Abraham et Sarah, nous célébrons la mémoire en ce jour et de tous les saints. L'Église de Dieu sainte et catholique l'offre aussi pour l'âme et l'esprit de tous les fidèles défunts, et en particulier pour Florian, Antoinette, Joseph, André, Firmin, Bernadette, Françoise, afin que le Seigneur daigne dans sa bonté les introduire dans les rangs des bienheureux. Cette oblation sacrée ont été offertes dans l'unique obéissance de la foi. Exprimons nos voeux d'une sollicitude réciproque, réclamant avec insistance de notre Seigneur qu'il purifie le cœur de chacun des offrants, de telle sorte qu'il soit pour lui un sacrifice saint, spirituel et agréable, et qu'il aille placer l'âme des défunts dans le sein d'Abraham, et qu'il les admette à participer à la première résurrection. Exauce-nous, Père Tout-Puissant et accorde
Que les dons offerts par tes serviteurs et tes servantes soient dignes d'être acceptés. Sanctifie ce qui t'est offert et daigne accorder à nos prières d'être reçus au siège sublime de ta puissance. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, montre-nous ta miséricorde et accorde-nous ton salut. Offre-nous le sacrifice de louange. Viens, Esprit sanctificateur, et bénis ce sacrifice. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est digne et juste, Seigneur notre Dieu, que nous te bénissions en tout lieu par le cœur et la parole. Comment ne pas glorifier la force de tes œuvres, ne pas saisir la munificence de ta miséricorde? Tu exerces l'action de ta puissance divine sur toute la création. Cependant, sur l'homme seul, tu fais reposer la sollicitude de ta bienveillance paternelle. Grande est cette sollicitude à notre égard, tu fais du Fils un serviteur, de la divinité un homme, de l'éternel un mortel, afin qu'en cette chair assumée par ton incarnation, la force divine fasse qu'à nouveau les serviteurs deviennent tes amis, les impies tes fils, les hommes des dieux, les mortels des vivants pour l'éternité. Ton Fils devient tout ce que nous sommes, nous donne tout ce qu'il est, s'humilie afin d'exalter, est blessé afin de guérir, meurt afin de vivifier, ressuscite afin d'élever, ayant assumé l'humanité, il siège au ciel afin de donner à tout le genre humain d'y pénétrer. Alors, Père, ne pouvant te rendre grâce ni te louer suffisamment pour tant de générosité, tant de magnanimité, nous supplions ta grande et indulgente bonté d'accepter ce sacrifice que nous offrons face à ta miséricorde divine. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui que tous les anges et les archanges acclament toute justice en disant Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est ton nom, Tout-Puissant, toi qui envoyas ton Fils unique pour relever ceux qui étaient tombés, ramener les errants, les vivifier, les faire participer à son éternité et vaincre les forces ennemies. Lui qui assuma la faiblesse de notre corps,
et avant de répandre son saint sang pour le salut des hommes, institua le mystère de ses saintes solennités. Lui qui la veille de souffrir pour le salut de nous tous, se tenant au milieu de ses disciples, les apôtres, prenant le pain dans ses mains saintes, se tourna vers toi, Dieu Père Tout-Puissant, rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est rompu pour la vie du monde. Amen. De même après le repas, prenant le calice dans ses mains, se tourna vers toi, Dieu Père Tout-Puissant, rendant grâce, il le bénit, le donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est le calice de mon sang, celui de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Amen. À ces mots, il ajouta: chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, faites-le en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Nous le croyons, Seigneur Jésus. Nous le faisons, Père Saint, commémorant la passion de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te supplions de répandre invisiblement sur le peuple ici présent et sur ses dons la plénitude de ta majesté, comme elle descendait autrefois visiblement sur les offrandes de nos pères. Infuse ton Esprit Saint sur ce sacrifice, afin qu'il soit pour nous une Eucharistie légitime, en devenant corps et sang de Jésus-Christ notre Seigneur, à qui avec toi, Père et le Saint-Esprit, reviennent la puissance, la gloire et l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur, alléluia, à la façon
nous soit salutaire pour la vie éternelle. Amen. Non à cause de notre mérite, Dieu Tout-Puissant, mais par obéissance aux préceptes de ton Fils Jésus-Christ, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Le Fils et l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. Faisons silence et écoutons bien. Les saints dons aux saints.
à la substance de gloire de l'immortalité,
rendons grâce à Dieu, Père Tout-Puissant, car par le don de son sacrement, il nous a vivifiés en vue de la transformation céleste de notre origine et notre nature terrestre. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer, accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Allons en paix. La bénédiction,
22 octobre à 10h30, ici. Donc, retenez la date, samedi 22 octobre. Et il y aura la suite de la croix à une date encore incertaine. Et je pas tant pour l'autre quand même. Monseigneur Paul est bien arrivé. Ah, figurez-vous qu'on lui a téléphoné dès le lendemain. Son téléphone ne fonctionnait pas. Le surlendemain, pareil. On s'est dit, mais il a disparu au-dessus de l'Atlantique, quelque part. Ou alors il s'est fait. Voilà. On commençait à s'imaginer le pliant. Et au bout de trois jours, quatre jours, je ne sais plus, c'était hier quand même. Hier, enfin, il a répondu. Monsieur était au restaurant. Il était avec l'entrepreneur qui s'occupe de sa petite chapelle. Donc, je pense que c'était l'entrepreneur en question qui l'avait invité. Et vous savez, je connais la région. Hein. Il habite un petit village qui s'appelle Tomsbrook. Et c'est là-bas, c'est la campagne, la vraie. La campagne. Les gens là-bas, on les appelle les rednecks. C'est-à-dire ceux qui ont des coups de soleil sur le cou, c'est les paysans, quoi. Mais il y a une particularité dans ce petit village, enfin c'est un bourg quoi, qui est moins grand que Saint-Delay. Il y a six églises, de dénominations différentes. Je crois qu'il y en a cinq et c'est six avec lui. Et tout va bien, le voyage était fatigant quand même, c'est un long voyage pour un homme de son âge. Mais je l'ai trouvé moi très guilleré au bout du fil. Ça n'a pas été durant pas les états non plus. Oui. Oh, il est sombre. Voilà, donc, bien rentré. Nos Écossais, j'ai reçu un petit mot de diacre Ryan, qui était ravi de leur séjour, et de l'accueil qu'on leur a donné, évidemment. C'était vraiment... c'est vrai qu'on a fait le maximum, hein. Pas d'accord. Bien, voilà. Il n'y a pas d'autre. C'est les paniers de Noël. Ah, oui. Il y a deux choses qui sont en cours et qui sont très importantes. Pensez au panier de Noël, c'est-à-dire qu'il y a une corbeille, quelque chose, il y a des dons qu'il faut donner à quelqu'un. Qui s'occupe?
À part le père Thomas qui est absent, qui va partir demain chez le père Nicolas, passer une quinzaine de jours en retraite. Bon, ouais. Pas moi, je suis trop mal. Oui, bien. Il faut quand même quelqu'un s'en occupe, quoi. Si... Voilà. Françoise. Françoise vient d'être désignée volontaire. Voilà, c'est Françoise. Si vous voulez donner de l'argent pour les paniers de Noël, ce sont, vous vous en souvenez, hein, on fait des paniers pour les gens les nécessiteux. L'année dernière, on avait fait une trentaine. Et ben, c'est bien cette année si on en fait un peu plus encore. Parce que de toute façon, des pauvres, il y en a toujours plus en plus. Et puis, je vous rappelle la souscription que nous avons lancée pour l'agrandissement de cette église. Je crois que la pile de papier, elle est sur le tronc là-bas, mais on bouche l'entrée du tronc, ça ne va pas, ça. Si ? Il y en a un paquet par là ? Oui, mais. Ah oui, mais je change du tronc à l'entrée là-bas. Je l'ai affiché. Tu l'as affiché. Bon. Donc, cette souscription, soyez généreux. Soyez généreux tout le temps. Voilà, on vous remercie évidemment. Et bien que vos anges gardent bien vos inscrits. Ah oui, pardon. J'oubliais quelque chose. Oh, malheur. Certes, théosophie commençait à prendre le démarrage. Je suis obligé de poser voilà une icône. Isabelle, tu peux venir chercher ton icône. Elle est bénie. Voilà. Joli, hein. Alors, je la montre pour que tout le monde la voit bien. De toute façon, donc le Seigneur, alors ça représente. Lorsque Marie-Madeleine répand le nard, ou si c'est le. Ou alors chez le pharisien Simon. C'est la pécheresse pardonnée. Voilà. Maintenant, elle est souvent assimilée à Marie-Madeleine. Voilà. La pécheresse pardonnée, ça nous donne de l'espérance. Ça vous donne de l'espérance. La sœur Théodosie qui fait des exploits parce que vous savez l'état de son bras. En fait, plus elle est handicapée, mieux c'est parce que finalement elle est obligée de laisser la place à l'Esprit Saint. Justement, c'est ce que je voulais dire. J'ai eu des témoignages surprenants et assez. Contagieux de joie. Des joies de Sœur Théodosie, je voulais témoigner de la joie. On ressentait vraiment la joie de Sœur Théodosie dans des moments où elle témoignait de son évolution dans cette icône. Et c'était vraiment sûrement lié, évidemment, la présence de l'Esprit Saint. Ah, oui. Pour que cette icône soit vraiment une belle présence chez toi, en fait. Elle résume le chemin, je crois. À nous tous. Nous te gardons, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, ne refuse pas la prière de tes enfants en détresse, mais délivre-nous de tout le monde.
Merci.